Yo l'équipe, c'est Pirate, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo les gars, on se retrouve pour repasser le code du permis de conduire en vidéo, tout simplement. Donc pour ceux qui l'ont, GG. Ceux qui l'ont pas, faut le passer les gars, c'est important, c'est grave important. Donc voilà, ceux qui l'ont, on va le repasser ensemble. Et ceux qui l'ont pas, ce sera l'occasion de voir un petit peu comment ça se déroule, si vous connaissez pas du tout. Et on va repasser le code du permis de conduire, ça va être drôle, je pense que je vais pas l'avoir. Je vous mens pas les gars, je pense que je vais pas l'avoir. Avant que la vidéo commence, abonnement, commentaire, petit pouce bleu, ça fait grave plaisir. On passe tout de suite avec l'intro, let's go. Du coup la famille, on est tout de suite parti pour faire le code de la route en ligne. Code de la route gratuit, on va mettre parce que bon, on va pas payer non plus. Du coup les gars, on est parti. On va essayer d'avoir le code de la route une deuxième fois. Je pense que je l'aurai pas, mais voilà. N'hésitez pas à le faire en même temps que moi là, directement. Et dites-moi à la fin de la vidéo combien vous avez fait de fautes à la petite série de code. Il y a 40 questions. On est parti tout de suite, let's go, en espérant avoir le code une deuxième fois. Alors la vitesse est limitée à 70 km/h avant le panneau, après le panneau, avant et après le panneau. Après le panneau, bien évidemment. La signalisation autorise le dépassement. Réponse A, oui, bah oui. Oui, t'as le droit, tu peux, il y a les petits pointillés. Je peux dépasser. Franchement, ouais, tu peux dépasser là. Je peux circuler à 70, à 80, à 110. Je dirais 60. Ah, 70 ou 80. Je sais pas, est-ce qu'il y a eu des lois bizarres là où ça a changé tout ça. Je vais mettre 70 parce que maintenant, vu qu'on peut plus rouler, peut-être que c'est ça. Je suis bien placé pour aller en face. Oui. Je suis bien placé pour tourner à droite. Non. Facile pour l'instant, les gars, facile pour l'instant. Enfin, c'est ce que je crois, parce qu'après, on verra le résultat à la fin. Les médicaments qui ne sont pas compatibles avec la conduite sont délivrés uniquement sur ordonnance. Je dirais oui. Je dirais oui. La signalisation m'indique que je vais rencontrer une succession de virages dont le premier est à gauche, une succession de virages dont le premier est à droite. Donc là, t'arrives, hop, le premier est à gauche. Clairement, d'accord. Là, ça va à gauche. Voilà. Avant ce panneau, je pourrais m'arrêter stationner. Après ce panneau, je pourrais m'arrêter stationner. Le panneau, c'est celui-là, mes frères. Il n'y a qu'une barre, du coup, tu peux pas stationner dans tous les cas. Mais tu peux t'arrêter. Donc, ah, là, il y a des petits... Genre, je sais qu'on a le droit de stationner, mais est-ce qu'on a le droit de s'arrêter? Je sais pas, je vais mettre juste m'arrêter, on verra bien de toute façon. La signalisation autorise le dépassement. Réponse A, dans mon sens de circulation. Réponse B, dans le sens opposé. Bah oui, on est une ligne blanche, les gars. Un verre d'alcool correspond à une alcoolémie de... Je sais pas, 0,20. Je sais pas, je connais pas du tout les taux d'alcool, tout ça, je connais pas du tout les gars. À la prochaine intersection, je pourrais prendre à droite pour rentrer chez moi. Non, tu peux pas ma gueule, tu dois faire tout le tour du pavillon, 100%. J'emprunterai l'autoroute si je vais vers Chartres ou Évry. Bah Chartres en fait, parce que à Évry, non, c'est pas l'autoroute là. Pour aller à Orléans, je serais obligé de rencontrer un péage, Orléans, Bordeaux, péage, donc vrai. Circulant en agglomération, je m'attends à rencontrer des travaux à 50 mètres, à 150 mètres. Ouah, je sais pas, en agglomération. Là, le panneau il est là, je dirais 50 mètres. Je ralentis, vrai, faux. What? Pourquoi ralentir là? C'est une priorité à droite cette merde là. Pourquoi je ralentis? Non, je ralentis pas, on accélère frère. La conduite sous l'emprise de cannabis est autorisée, bien évidemment. Non, je rigole. Interdite et dangereuse. Je peux dépasser ce véhicule? Oui, non. Ouais, tu peux. Ouais, tu peux, oui. Derrière ce véhicule bleu, je peux m'arrêter. Alors, est-ce qu'on a le droit de s'arrêter sans stationner? Juste s'arrêter sur les voies de bus, je crois pas. Stationner, non, ça c'est sûr. Et m'arrêter, je sais pas, je dirais non, en vrai, parce que c'est gênant. Si le bus, il arrive, comment il fait? Donc, non. La signalisation indique une interdiction de dépasser pour tous les véhicules. C'est faux. La signalisation indique une autorisation de dépasser pour tous les véhicules. Vrai. Parce que maintenant, c'est fin de zone où les poids lourds, ils ont plus le droit de doubler. Là, maintenant, ils ont le droit de doubler. Enfin, bref, t'as capté. Je crois, hein. De toute façon, ça fait trop. Ça y est, j'ai le permis. De toute façon, je m'en bats les couilles si j'ai pas le code. La signalisation m'annonce un danger à 50 mètres, à 150 mètres. Je dirais à 150 mètres quand même. Sur l'autoroute, c'est bien avant quand même. Ce danger est temporaire parce que c'est pas. Voilà, temporaire. Je suis bien placé, oui ou non? Bah écoute, frérot, là, tu roules tranquille. Hop, tu doubles ton petit camion. Franchement, t'es pas mal là. T'es pas mal, mais. Ouais, si, franchement, pour moi, je suis bien placé, là, tu vois, s'il y a un petit motard qui veut passer, tout ça, tu peux passer, en plus, vu que t'es un peu bien serré, ouais, si, t'es bien placé. À cette intersection, je suis prioritaire, vrai, parce qu'il a un stop, le buggy. Je ralentis, bah non, on accélère, quelle question de merde. Je suis bien placé pour circuler. Ouais, t'es sur la voie de droite, tranquille, pépère, ouais, ouais.
Pour dépasser ce piéton, je dois laisser un espace latéral de 1 mètre, je crois. Parce que vu qu'on est en agglomération, c'est 1 mètre et 1,50 m hors agglomération, je crois. Je passe, oui, il a qu'à fermer sa porte, au pire, et il va se faire foutre. Hein. Je circule à 70 km/h. La distance de sécurité que je dois laisser par rapport au véhicule devant moi est de... Oh ouais, mais là, c'est des calculs précis. 56 mètres, 42 mètres, oui, ah oui. Je dirais 70 mètres. Je peux circuler en feu de position, croisement, brouillard ou brouillard arrière. En feu de croisement, frère. Pourquoi brouillard? Ça sert à rien, brouillard. Je peux m'engager dans ce carrefour à sens giratoire. Ah, oui, je peux. Je marque un temps d'arrêt. En vrai, de vrai, il y a des gains. Donc, t'as pas besoin de marquer un temps d'arrêt. Mais, pour eux, peut-être, il faut marquer un temps d'arrêt. Non, moi, je le fais pas. Donc, je le mettrai pas. L'ambulance sur ma gauche est en intervention. Vrai, il y a le petit gyrophare. Ce véhicule fait partie des véhicules prioritaires. Mais je crois pas. Les gars, on est d'accord. Hein. L'ambulance, pas prioritaire. Bon, on les laisse passer parce que voilà. Mais je crois qu'ils sont pas prioritaires, il me semble. Je crois que c'est que les pompiers et les condés. À cette intersection, je suis prioritaire. Vrai ou faux? Vrai, vrai. Parce que si le mec il arrive par là, c'est lui qui a la priorité à droite. Donc vrai, fonce mon gars. Je vais rencontrer une intersection à 50 mètres, je dirais. Et je serai prioritaire vu qu'on a la grosse flèche, les gars. Il nous manque 11 questions. Je peux circuler en feu de position, croisement, brouillard ou brouillard arrière? Voilà, tu circules en feu de croisement, frère. Brouillard aussi. Ah non. Le brouillard, je trouve que les feux de brouillard, c'est un peu de la merde. Ouais, peut-être brouillard arrière. À cette intersection, je passe, je m'arrête. C'est quoi, c'est une priorité à droite? Je crois que c'est une priorité à droite. Donc je m'arrête. C'est le pire truc qui existe, les priorités à droite, les gars. Sur ma droite, les véhicules sont stationnés en créneau ou en bataille. En bataille. À cet endroit, je pourrais faire demi-tour. Clairement pas, frérot, c'est de la route. La vitesse est limitée à 80, 90 ou 110. Elle est limitée à 110, vu que le panneau de sortie est 4, est 90. C'est-à-dire que c'est 110. La signalisation m'indique que je vais rencontrer un ralentisseur de type Dodan, un nid de poule à 50 mètres et à 150 mètres. Bah déjà, un ralentisseur de type Dodan, vu qu'il y a le petit chapeau bizarre là, à 30 km/h en plus. Et je crois que quand c'est comme ça, c'est à 50 mètres. La signalisation m'indique un virage à droite, à gauche et à 50 mètres. Dans ce tunnel, je devrais circuler sans feu, en feu de position, en feu de croisement, en feu de route. Enfin, allumer les feux, quoi. Donc en feu de croisement. Arriver en premier sur les lieux d'un accident corporel, je dois alerter, secourir, protéger, secourir, alerter, protéger, secourir, protéger, alerter, secourir. Je crois que c'est protéger, alerter et secourir. Faut d'abord le mettre en protection, le mec. Après, il faut alerter les urgences et voilà. On va me mettre ça, on verra bien. Sur ma droite, le stationnement est payant. Bah oui, les petits bâtards, vu qu'il y a des traits bleus. Et à durée illimitée, je sais pas du tout. Comment on sait, les gars, que c'est à durée limitée ou pas? Non, je vais pas mettre. Le contrôle technique d'un véhicule doit se faire tous les 2 ans. Ouais, tous les 2 ans, je crois, ouais. Ouais, tous les 2 ans. Ah, c'est la dernière question. Les gars, combien de fautes on a? Combien de fautes on a? 15 fautes! Oh! C'est-à-dire, j'aurais pas eu le code là. Genre là, j'aurais pas eu le code. Genre la question 3, c'était quoi? Dommage, c'est une mauvaise réponse. Réponse A et B. Ah, bah oui, logiquement, si c'est 80, tu peux circuler à 70. Tu peux même circuler à 50 si tu veux. Ouais, mais en même temps, ils sont chiants, frère. C'est quoi ces questions pièges un peu bizarres? On va voir la 7, c'est quoi? C'est la réponse juste C. Voir la 13. Réponse A. Je ralentis, mais pourquoi tu ralentis? J'approche d'une intersection, je dois ralentir. Bah non, non, frère, j'ai la priorité, je ralentis pas, t'es fou, j'accélère comme un mort même. 15 fautes, c'est nul. Genre là, que je passe le code, je l'ai pas. Pourtant, j'ai le permis. Les gars, c'est une honte totale. 15 fautes, c'est énorme. Bon, la famille, résultat des courses, j'ai pas le code. Donc voilà, j'ai fait 15 fautes. Dites-moi vous dans les commentaires, vous avez fait combien de fautes, les gars, à cette série-là? C'est la fin de cette vidéo, les gars. Petite vidéo chill, tu vois, tranquille. C'était tranquille aujourd'hui. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette petite vidéo chill. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Pirate, et ciao tout le monde. Bye.